Bonjour, bonsoir, bonsoir. Moi, je t'ai passé un très bon week-end. Je vous dis, c'est lundi 19 juin, son fête fédérale aux États-Unis. Donc, son fête fédérale, c'est jour officiel, fin de l'esclavage aux États-Unis. C'est vrai que t'es de l'autre côté que j'étais déjà aboli l'esclavage là, mais Texas, t'es le seul État qui t'a le système en place jusqu'à ce que les militaires américains t'aient arrivé et ont dit. Et non civil, et il te dit que l'esclavage a fini, c'est fini, et c'est fini. Donc c'est le sacré. Mais pendant l'été, à son bon temps, et un bon temps, après l'esclavage, bah, toujours, donc ça fait Juneteenth, bon, personne, il y a une longue histoire sur ça, mais je sais que. Et, Gentil Augustin va expliquer nos chapitres et pages dans l'actualité, ça l'a présenté dans le journal et radio sur télévision. Il y a quelqu'un qui dit Happy Father's Day, merci en pile. Et bon, moi-même, pas de connaître qu'on fait Father's Day. Jusqu'à ce que moi, je suis un message qui dit jeudi, c'est Father's Day, jeudi, c'est Father's Day. Donc, c'était dimanche. Merci en pile. Et Madame Cadet, au bar là. Et après ça, et les gens qui branchent, les gens qui disent brancher la plaine, les gens qui disent mieux brancher l'autre côté tout, nous saluons tout le monde ça. Et alors, grand point qui domine l'actualité, c'est le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui quittait la Chine et quittait Pékin. C'est un voyage 48 heures qu'il a fait. Et côté de rencontrer avec officiels chinois, des officiels replacés, y compris le président chinois Xi Jinping. Et pendant la visite là, M. Blinken a invité le ministre des Affaires étrangères chinois pour l'inviter et pour le visiter Washington, dans une date qui est bonne pour tous les deux, qui est bonne pour tout le monde. Et puis il a rencontré avec le diplomate plus placé et chinois tout. Et dernier, pour mettre fin à la rencontre là, rencontré avec le président chinois Xi Jinping. Sujet, c'était des sujets sensibles. Il y a des réunions, par exemple, la première réunion qui a été faite, qui dure plus de 5 heures de temps. Il y a l'autre réunion qui dure 2 heures. Mais c'est des discussions qui vraiment pour des sujets sensibles, tant que question de droits humains, question de commerce, question de sanctions que les États-Unis prennent contre la Chine. Et, mais l'objectif là, c'est de voir dans quelle mesure capable de diminuer les tensions qui gagnent entre deux plus grosses économies mondiales. Donc, sous question ça, mais la Maison Blanche, la notité fait sortir, il dit qu'il ne peut pas attendre gros résultats dans la rencontre ça, dans son rencontre qui est pour le diminuer et chercher dans quelle mesure diminuer les tensions qui existaient entre les deux pays. Yo. Nous avons aussi une rencontre qui était faite déjà depuis mai, depuis février passé, mais après, nouvelle est sortie pour te dire qu'on ballon. Qui était identifié comme ballon espionnage chinois qui était survolé territoire américain, espace aérien américain, et bien, le secrétaire d'État Blinken était renvoyé voir ça. Mais c'est la première fois depuis, 1900, depuis 2018, un officiel replacé et américain allé en Chine. Et tout, c'est tout, et première fois, mais tout, et le secrétaire d'État Blinken, tout. C'est le plus officiel américain qui visite la Chine depuis le président Joe Biden a dirigé les États-Unis. Donc, on a un compte qui est important parce qu'au moins, d'après l'observateur, comme s'il ouvrait route là pour que d'autres rencontres faites dans le monde qui viennent là. Et il y en a d'un qui a plus de monde à attendre, c'est très certainement une rencontre entre le président Xi avec le président Biden. Et, mais si on continue à voir qu'on va faire pendant le sommet et APEC a déroulé aux États-Unis, maintenant, parce que deux messieurs, deux leaders ont rencontré déjà, et ils étaient dans la marge de l'autre rencontre qui était gagnée, mais cette rencontre Brissoukou, ce n'est pas un bail qui était vraiment considéré comme un sommet, c'était un bail qui était fait Brissoukou, mais qu'on y a ouvert pour un bail officiel. Mais c'est comme ça, pour un pile observateur, il était question d'un bon pas, qui fait un bon pas fait dans la bonne direction, et que. Bah, il pas disparaître, ou bien encore Xi ou bien Mihang qui est entre dirigeants entre la Chine avec les États-Unis, il pas disparaître d'un coup, mais au moins il y a possibilité pour que la planification pour que capable de gagner. Sandra Lemaire va venir avec pour nous sur le dossier ça, elle va vous donner plus de détails sur l'importance de visite ça gagner.
pour, pas seulement pour les États-Unis, mais pour la Chine, côté qui a plusieurs petits différents boulets qui ont boulé, tant que, par exemple, tant que Taïwan, par exemple, et des problèmes qui sont dans le détroit Taïwan, que la Chine considère comme Taïwan, considère comme propre territoire, mais son territoire, qui ont président élu, qui ont gouvernement élu, mais la Chine considère son territoire, ses propres territoires, son territoire ligien, qui est en rébellion. Donc, États-Unis, par exemple, cachent le support tout pour Taïwan, tout, et que censé défendre tout contre la PD. Tout. Après ça, il y a une délégation et leader africain qui est visité Kiev, on parlait de l'Ukraine. Et bien, délégation s'activité Ukraine, et bien, et pendant monsieur a visité Kiev, comme ça, et bien, monsieur a déposé une sorte de chandelle, etc. Et bien, quelques moitiés qui tombent côté de donc, ça a été bien pris de caisse de mais, délégation en principe, il y a un président sud-africain, et bien, il était en contact avec le président Ousla et Vladimir Poutine, côté le présenter, il y a un plan la paix. Mais le président Poutine dit que nous-mêmes, ce n'est pas lui qui refuse de négocier. C'est l'Ukraine qui refuse de négocier. Donc, chaque parti a voué de l'eau sous l'autre. Donc, mais il dit que l'apprécier, le président Poutine dit, le président sud-africain là, l'apprécier et geste là, l'apprécier et des machos, mais il n'y a pas gagné pour lui là-dedans. C'est Kiev, c'est seulement Kiev lui-même qui quimbe la situation et qui empêche que ça fête et qui empêche que la guerre finisse ou bien qu'on cesse le feu. Mais jusqu'à présent, qui pour aux gens qui arrivent. Donc, voilà, c'est entre temps Kiev, ou bien encore entre temps les soldats ukrainiens reprennent le contrôle. Et mon village qui était en bas mais contre Russie. Donc pour un pile mondial, c'est quoi son bon état qui fait pour et dans la tentative que Kiev a fait pour essayer de reprendre le contrôle territoire qui est en bas mais contre la Russie depuis que la guerre a été commencé et en février 2000. Rien passé, rien plus passé une année. Et puis ça n'a pas dû encore. Et puis nous parlons de ces pays d'Haïti et de ces pays d'Haïti, c'est de ceux qui et qui est vraiment chaud. Il y a un Canada qui a annoncé que lui-même lui prend une décision pour ouvrir un bureau en République dominicaine pour en cas d'assistance là bas pays d'Haïti. Et bien, ça a frontolé. Mais officiellement, l'autorité haïtienne n'a pas vraiment dit rien sur la question ça. Mais il y a une République dominicaine qui réagit, qui dit que lui-même n'est pas jamais contre ça, n'est pas jamais autorisé. Et Canada pour l'ouvrir un bureau pour aider pour l'instance nationale d'Haïti, alors que les gens qui en Haïti, c'est-à-dire qu'on a une société civile là, les gens qui est renommé, qui connaît question affaires militaires, ben, on dit que soit pour que ça soit en République dominicaine, que Canada ouvert et bureau pour l'aider pour l'instance nationale, alors que le café en Haïti. Question qu'a posé, etc. Donc, ce sont des dossiers qui vraiment abvieront, mais gagnent. Il y a un député canadien d'origine haïtienne qui essaie de faire une explication, tout comme l'ambassadeur canadien, tout. Essaie de faire une explication, il dit bon, et n'a plus vu bureau espacé en Haïti, n'a pas en Haïti tout, mais n'a plus côté. Donc, il essaie de faire des explications, mais officiellement, l'autorité haïtienne n'a pas dit rien sur la question si oui ou non, il est d'accord, avec façon, il y a des gens qui interprétaient Action Canada comme une sorte de tutelle, tant qu'on mettait Haïti sous tutelle. Et l'autre point qui domine l'actualité, c'est le système bancaire haïtien. Depuis quelques jours, là, c'est parole qui a parlé comme ça, un problème dans le système bancaire haïtien, surtout, façon pour haïtiens ou bien encore clients, faire transaction à la banque. À cause d'un problème. Un problème que très certainement la Banque centrale beaucoup expliqué, excepté que les dit qu'il a cherché les autres problèmes. Non, en attendant, il pourrait faire toute transaction manuelle. Donc, il y a par exemple, il dit que si on n'a pas de printemps ou un chèque dans le monde, il y a pour 5 jours avant qu'on gagne ça dans le monde. Et si on a une ville provinciale, il y a pour 10 jours ouvrable. Ça veut dire que samedi, dimanche, pas la donne. Donc, c'est la situation. Et donc, des experts, il y a plusieurs gens qui s'est expliqué. Est-ce qu'il y a une sorte de piratage qui fait dans le système bancaire haïtien ou pas, qui s'allie exactement. Et officiellement, par contre, une déclaration qui dit exactement, mais j'ai un problème, non, il est vraiment vrai, mais c'est peut-être qu'on constate qu'il fait.
Qui vient d'affecter l'économie haïtienne, non, il n'y a pas de parler, mais nous cherchons des informations pour vous, certainement, pour nous venir. Nous, par contre, tout si le problème, ça a tout affecté, et c'est un transfert, par exemple, nous avons servi avec l'agence internationale pour voir les corps. Mais nous connaissons que, par exemple, si soit font transfert de banque à banque, il y a une probabilité que vous avez des problèmes. Alors, ce que je dis encore en ce moment, et la première déclaration qui est faite avant, je te dis qu'il y a plusieurs moyens que les populations sont capables d'utiliser pour faire des transactions bancaires, sont capables de vous échecs, mais je dis à l'autre discours qu'on a fait encore. Donc, c'est un dossier encore que nous cherché pour nous. Dans quelle mesure nous avons une autre information pour vous, pour nous, et pour te baou, et du qui ça qui est vérité dans question, question si là. Et puis, nouvelle concernant l'actualité sportive là, plus ou moins, nous avons une sélection nationale football féminin haïtien qui a commencé à entraîner jeudi officiellement. C'est en Suisse, qu'on a entraîné en altitude. Avant d'aller en Australie, qu'on a participé dans la phase finale de la Coupe du Monde FIFA et féminin FIFA, qui a déroulé en tandem entre Nouvelle-Zélande avec l'Australie. Et puis, sélection football masculin haïtien, même lié au grand complet. Monsieur joue deux matchs amicales déjà qui ont remporté la victoire. Équipe US et équipe de deux points. Nous ne savons pas qu'une équipe n'a pas vraiment deux points, équipe en contraire. Mais quand même, une victoire était une victoire. Il fait partie d'entraînement, il fait partie que ça, entraîneur Calderon a besoin de chauffer les jarrettes pour les joueurs qui ont vraiment besoin qui pouvaient faire partie de la sélection. Mais Haïti a parlé là. Normalement, aujourd'hui ou bien demain, c'est sélection a dû quitter le centre d'entraînement dans Miami, ou peut-être après-demain, pour y aller, pour nous aller directement dans Houston, côté pour jouer pour un match amical, pour un match Coupe de CONCACAF contre l'équipe et Qatar, qui c'est un invité spécial dans la compétition si là. Ça nous bon dire encore là. Et c'est ça, et puis j'aime du land, aujourd'hui c'est férié. C'est fait aux États-Unis, sont fêtes fédérales. C'est jour officiellement et fin, ou bien encore abolition esclavage aux États-Unis. Et dernier côté qui t'a fait ça, c'était l'État de Texas qui t'a fait ça. Donc, voilà. Et puis, bah, je dis à nous laguer pour nous là. Nous avons des cavaliers quoi là. Jacqueline en vacances. Et très certainement, nous pas pour Jacqueline pendant 2 semaines. Et Valérie en vacances tout. Donc, nous ne pouvons pas aller pour une semaine. Donc, pendant qu'il n'y a pas là, c'est moi qui ai privé pour l'économie. Donc, nous avons rencontré encore après-midi dans le journal de radio sur la télévision, à côté de nous, on va parler de grands programmes de l'actualité avec les situations dans le pays d'Haïti. Et puis, nous rappelons qu'en Haïti, toujours, audition ou enquête, audition et juge Voltaire a fait sous dossier assassinat président, défunt président Jovenel Moïse là. On va continuer à attendre des mondes qui peut-être de loin ou de près t'a gagné une information dans mes yeux qui t'a capable aider dans l'enquête si là. Donc alors que ici aux États-Unis, il y a un monde qui est déjà condamné pour prison à vie et puis il y a 10 autres captains que autorité américaine ou bien que la justice américaine prend décision pour participation directe ou indirecte dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Voilà. Et qui sont comme je me dis non. Parce que c'est là nous rappeler aujourd'hui parce que c'est pas capable tout bailler mais qu'on mette attention ça et si nous besoin qu'on cherche qu'on est tout sous nouvelles concernant ces problèmes qui est dans le système bancaire haïtien qui empêchait et citoyens faire transaction tant que gens essayaient qu'on allait font transfert sous compte à un compte bas au monde ou bien vont transférer l'esprit et vont transférer bas à l'autre monde. Et actuellement, il y a des difficultés pour faire le dossier ça. Et ça dépend de qui est-ce qu'on parle. Chaque monde parle. Il y a des gens qui disent que c'est d'appuyer un peu faire sous système non, tant que monsieur qui des professionnels, qui ont pris un système en otage. Et, mais en principe, officiellement, la banque, c'est la Banque Centrale, pourquoi il n'a pas dit rien, pourquoi dit officiellement. Vérité à ce qu'ils ont seulement les reconnaître que grand problème et qu'il y a pas travail sur lui, mais en attendant, il dit que transaction qu'a fait qu'on a fait manuellement et non pas électroniquement. Moi, salut nous, moi, merci nous, moi, j'espère que vous passez un bon week-end et pour faire papa, bon, me dit papa, mais parlez nous mal. N'a pas dit merci pour tout le monde qui décide de nous, mais mettez parler nous mal, ça va faire rien, mais nous là quand même.
Sans nous, pas papa. Donc, ça veut dire que nous avons toujours là et nous avons toujours qui fait papa. Nous merci tout le monde qui a célébré avec nous, qui a célébré avec nous, qui a dit nous merci, qui a voué des étoiles, ben nous, tout ça, qui a ben nous, des souhaits. Et nous merci tout le monde tout, qui a toujours joué nous tout comme mauvais jeu. Ça va faire. Nous là quand même. Et nous là, parce que nous là, nous avons apporté contribution nous. Souterrain et puis nous dit tout le monde qui célèbre papa et tout, merci en pile et tout le monde qui dit pas un retard. Et puis n'oubliez pas de nous dire bonne fête, ce service là, ce service a fait et fait jeudi. Donc nous dit bonne fête, matin déballon, grosse surprise. Et ils pensaient qu'ils étaient oubliés, et bien nous déballons, grosse surprise. Et matin pendant que la réunion que nous avons, nous avons chaque matin, et nous déballons, grosse surprise. Et bah aussi ma va dire ça puis gain tout est-ce que m'garde dire valé tout gain mon cap célébrer tout valé tout gain mon cap célébrer tout et on va dire l'autre tes spectateurs nous gamba live là c'est Barbara Saint-Louis lui-même qui t'a fêté fête lui et weekend ça donc nous dit tout le monde et au même tout sur fête fait tout pendant week-end là nous pas de guette à parler avant et bien nous dit bonne fête et si jeudi a fait tout nous dit bonne fête pas faire jalousie bye bye tout le monde n'a pas l'évita.